on va voir ce qui se passe pour la suite. Il me restait un truc de munitions là, oui. Ah ouais, mais c'était pour le petit gun. Par contre, je peux mettre 7 balles dans le petit gun. Donc c'est toujours ça. Oh, un truc à l'assaut. Le film saut, hein. Non, mais je préfère vous le dire tout de suite, j'étais pas parti pour une blague de merde. Parce que... Oh, on dirait le truc de l'assaut, l'assaut... Je vous sentais bien parti. C'est qu'elle est pas contente, la petite dame. Ouais, le con. Putain, faut voir qu'on aille te sauver le cul maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Tu ferais mieux de rappliquer. J'arrive. Tu vas réussir à t'en sortir tout seul? Mais si. Bon, on arrive. Parce que c'est toi. Cassez-vous. J'ai dit à toi de te casser aussi, pas un. Ah, vas-y, casse-toi. Putain, ce truc c'est que je suis super long à viser et parce que j'ai pas augmenté comme il faut le petit gun. C'est con, c'est juste pour ça. Moi je récupère tout ce que je peux récupérer. Attention, ils ont des explosifs. Ils sont où? Il y a un truc, ça va péter. Des allumettes, c'est cool. Merci pour les allumettes. T'es bien toi en vie, Bob, là-bas? T'es pas mal en vie. Moi aussi, je vais juste te reprendre une petite seringue. Il faut faire quoi ici? Ok. Sébastien, ils sont au-dessus. Merde, baisse-toi pas. Voilà. À couvert, il tire. Je crois qu'il y a un mec qui m'a lancé un tomahawk. Là, c'est lui. Alors en fait, j'essaye de viser bien la tête, mais s'il se baisse au même moment, ça va pas être pratique. Est-ce que le petit gun tire aussi loin? Oui, mais je suis pas précis. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais récupérer la hache. Maintenant, tu vas te mettre en mode je rush, mon pote. Allez, viens. Viens te la mettre, Bob. C'est qui le patron? C'est qui le papa? Attention, ils ont des explosifs. Casse-toi. Il est mort. Je crois qu'il y a encore quelque chose pas loin. Il est mort. On se rassure, il est mort. Je veux pas tous les cramer parce que leurs têtes sont explosées, donc c'est pas gênant. T'es pas bugué, mon pote, là-bas? Il y en a d'autres qui rappliquent. Ouais, mais arrivé à un moment de temps, faut arrêter. Donc, récupère tout ce qu'on peut récupérer. C'est pas le moment, je sais. Hein, Ah, c'est pas du tout le moment. C'est pas du tout le moment. Allez. Oui, bah 2 minutes, ma poule. Il y a du monde là. Allez, venez tous en tas. Casse-toi, par là.
Qu'est-ce que tu fous là, mon dieu? Cassez-vous! Meurs! Ça s'appelle le swag, mon pote, quand t'arrives à cramer tout le monde. T'es pas mort? Mais t'es sérieux, il va falloir que j'améliore la visée, hein. Ça va pas être possible, ça. Ils sont combien? Attention, ils ont des explosifs. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Pire, ça va péter que toi. Ah, c'est l'exp... Non? Non, mais quel con. Qu'est-ce qu'il fout là, lui aussi? Enfin bon, le premier explosif a pété son pote en zombie. C'est cool. C'était juste, c'était assez easy. Hein. Viens jeter un coup d'œil à ce truc. Non, je récupère, parce que si je peux récupérer un maximum de choses, je le fais. Carreau électrique, carreau à l'arbalète agonie produisant une décharge électrique qui immobilise l'ennemi venant au contact. Ça, c'est bien. Ça peut être pratique, ça. On récupère la hache. Bon, par contre, j'ai plus de flèches, j'ai plus rien. C'est pas grave, on essaiera d'en fabriquer. En fait, il y a des trucs autour de toi, des munitions, mais si je m'approche, ça risque de déclencher une cinématique. C'est pas que je t'aime pas. Mais j'ai dit que j'allais regarder partout. Ok, j'en viens de là. Non, bah non, j'ai pas été ici. Ah, merci les allumettes. Ok, je peux en avoir que 10. Je vais peut-être l'augmenter. Hein. Je sais pas, je finis de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Ok, donc si je peux pas récupérer ça, on va prendre de la vie. On va recharger. Et on récupère les munitions. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu voulais me montrer, toi? J'arrive pas à l'ouvrir. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. On n'a plus beaucoup de temps. Où il va ce tuyau? Il va où le tuyau? J'y vais. Dis-moi ce que je dois. Non, on n'y va pas. Ça pue. Ah, puis en haut à droite, il y a la petite quantité de... Merde. Bah, le truc qui se remplit. Moi, j'ai pas fait gaffe à ma jauge d'endurance. Y a rien? Casse-toi, Bob. Ils ont l'air d'être enfermés. On n'a plus beaucoup de temps. Meurs. On reviendra ici après, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On monte. On s'en fout, on monte. On a plus beaucoup de temps. Ouais, bah j'ai ça, bon, je sais, t'as qu'à te bouger le cul toi aussi. Il a le même type de cadran, non? Ouais, un en haut et un en bas. Règle celui du haut sur 22 et celui du bas sur 5. GG. Est-ce que ça va? C'est quoi ce délire? Joseph, Kidman. Et merde. Alors on peut descendre directement par là je crois, mais on va aller là-bas pour aller shooter les ennemis et récupérer s'il y a des trucs à récupérer. Ok, c'est fermé. Là on en vient. Et une statuette. Dans une clé, d'où la porte, elle se referme comme ça. Y'a plus d'ennemis, y'a plus de zombies?
quoi ici, y a rien à récupérer. Là non plus. Je vais éviter d'ouvrir des canards. Ah si, y a un truc à récupérer. On recharge. Ok, j'utilise une balle pour en récupérer 3. Ça va, ça passe. Il n'y a plus l'air d'avoir d'ennemis. Hein. Il n'y a rien à récupérer ici. Bon, bah c'est pas grave. On est bien parti pour refaire le tour par là. Hein. Tac. T'es essoufflé déjà? Tenez bon, j'arrive. On arrive. Ok, je pensais que je pouvais sauter comme ça. Faut que j'appuie sur croix. Où ils sont? J'aime pas ça. J'aime pas beaucoup ça. Ça pue. Je sais pas vous, mais moi je ferais bien demi-tour. De toute façon, tout vient de l'appel qu'on a eu pour aller à l'hôpital psychiatrique. Non! Ce qui s'appelle un dégât collectif. Je te crame, je te crame, je te crame, tu te relèves pas. Premier, c'était pas utile, mais toi, je te crame. Donc c'est sombre, c'est normal. Donc là, ça nous propose d'aller tout droit. On a toujours dit de prendre le chemin le plus court. Et en général, ça paye. Y a rien d'autre à récupérer ? Ah, oh, c'est sympa. Je zoome pour que vous voyez bien. Moi, j'aime bien. Bon, là, dans ces moments-là, ça fait pas peur. Mais là, ça change tout. Bon, par contre, si je reste comme ça, vous allez rien voir. C'est peut-être pas plus mal. Non, c'était des coups de feu. Ça doit être Joseph. Oh, mais c'est pas bon, ça. Il y a du gel là-haut. Kidman, vous êtes là ? Mais pas que, il y a des munitions aussi. Ah, du gel. Une petite roulade et tout en mode PGM. Allez, on rush. J'arrive ! Ok. T'es mort. Toi aussi. Sébastien. Meurs, meurs. Headshot, mon gars, je vais t'apprendre à tirer. T'es mon coéquipier à la base. N'est pas blessé. T'es censé savoir tirer. Si t'es blessé, faut que je te réanime. Et elle est où la meuf? C'est fermé. La porte semble verrouillée par l'autre côté. Sébastien, peut-être qu'on peut la soulever pour que Kidman passe en dessous et l'ouvre de l'autre côté. Moi j'ai pas confiance, elle va se barrer la meuf. Allez hop, t'inquiète pas, on passe dessous. Dépêche-toi, c'est lourd. Allez, allez, allez. Allez, putain, quand on leur demande de se dépêcher... Non, croire qu'elles font exprès. On y va. Hop, bonsoir. Ouais, ouvre la porte, fais gaffe. Dépêche-toi. Merci. Ouais, te mets pas devant comme ça pour faire genre « alors ». C'est... Tu restes tranquille. Content de vous voir en un seul morceau. C'est bizarre. Pourquoi vous capturer au lieu de vous tuer? Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Ou peut-être que t'es complice, ouais, ça pue. Ma tête. Ah.
avec ce symbole. C'est sympa. J'entends des bruits aussi. Mais on va les sauvegarder. On va les sauvegarder. Manuel de la police. Oui, on connaît la technique, cette lumière qui nous attire. Non, ne va pas dans la lumière. Non. Sébastien. C'est moi. Enfin non, moi c'est pas un. Vous avez oublié quelque chose? Votre numéro de téléphone. Alors. 3600. On peut rien faire avec ça, je suppose, mais bon, c'est toujours 3600, quoi. Ça aussi, ça rappelle un peu Saw, quand même. Chaud. Cacao. Chaud, chaud. Précision, on a dit qu'on voulait augmenter. C'est quoi cette précision? Ouais, non, coup critique, on va améliorer. Ah, ah. Allumette. Coup critique. Bon, on peut plus. Précision, on pourrait peut-être. Vitesse de rechargement, c'est pas intéressant. Sur le peupon, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Cadence de tir. Et sur l'arbalète, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? Les vitesses d'armement. Vitesse d'armement, ça peut être pratique. Tac, aptitude. Oh, je crois que c'était 600, mais c'est 6000 points. Rien à voir. Non, il n'y a rien qu'on peut augmenter pas cher. Je refais le tour. Non, c'est fini. On sauvegarde, on utilise la petite clé, et puis on voit ce que ça donne. On recharge tout ce qu'on peut recharger, et... Non, on va ouvrir, on va prendre la clé, et puis voilà, on sauvegardera après. Je vous ai donné la technique. Nous, on s'en fout, on y va en mode YOLO, on est des ouf. Sauf qu'avant... Ok, quand on prend tout le contenu, le truc se vide, ok. Le truc se referme. Mais pas complètement pour dire qu'on l'a récupéré. On y va, continue comme ça ? Des cartouches de pompe. On va pas se plaindre, hein. On va juste jouer à la mort avec le pompe. Enfin, limite, il aurait fallu augmenter les capacités du pompe. Mais bon, ça, je peux pas prévoir qu'est-ce que je vais avoir. Hein. Bonsoir, c'est encore moi. Ah, il y a un truc. Disparu. Ok. Ok. Chapitre 5. Abîme intérieur. On sauvegarde. Oui, oui, oui. Yes. Bon, allez. On va aller voir ce qui se passe pour la suite. Je sais pas du tout à combien de temps on est rendu de vidéo, hein, mais je vous ai prévenu que ça risquait d'être de plus en plus long. Donc je vous ai pas menti, ça va être de plus en plus... plus long. Bien, 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 mais c'était pas un truc à détruire entre temps? Non, c'est un bidon. Bon, bah on va récupérer. On aurait su, on serait peut-être allé ici avant. Il m'a pas vu. Non!
Il me l'a mis. Eh bien, faites sauvegarder, moi. Non? Ah, merde. Ah, merde. Bon, on reprend là. Ah, fuck. Bon, au pire, on tente d'aller tout droit. Au pire, hein. Je sais pas ce qu'il y a tout droit. Pour commencer, il y a une mine. Non, non, non. Et la double. C'est bon, ils étaient assez près tous les deux. Bon, on va peut-être retourner là-bas et descendre voir ce qu'il y a. Toujours de prendre la porte la plus courte. Sauf que l'autre, on va le buter tout de suite, quoi. On va pas chercher à comprendre. Saute. Tu bouges pas. Tu restes tranquille. Tu recharges. Merci. Du coup, si on monte, on retombe où là? L'autre côté, ok. On récupère. Et par exemple, là, j'avais pas été ici quand j'ai fait mon parti en mode solo. C'est vraiment quand on est ensemble. Bah, j'aurais peut-être dû. Grave, j'aurais dû. Bah, voilà, au moins ensemble, on découvre tout. Voilà. C'est pas plus mal. Carreau immobilisant carreau pour l'arbalète agonie qui immobilise temporairement l'ennemi. La cible finira par se détruire, excepté dans certains cas. D'accord. Mais on a vraiment plus de matos, hein. On n'a plus rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais tout de suite refabriquer des carreaux explosifs. Très bien. Parce que les carreaux explosifs, c'est pratique. S'il y a des gros monstres, ça fait pas mal de dégâts. On a pu constater, si je me trompe pas, dans le chapitre 2. 3. Chapitre 3. Quand on affronte le boss avec la tronçonneuse. Tiens, il y avait une caisse là, tu vois, je l'ai pas détruit. J'aurais dû, hein. Il y a du gel. Merde, on retourne vers le point de sauvegarde. On va pas re-sauvegarder, c'est bon, on devrait pas se refaire avoir. Hop, on va recharger pour récupérer les munitions qu'il y a là. Fait flipper les statuettes là comme ça. On fouille. Hein. Hop, allumette. Ok, il y a des trucs qui se cassent la gueule. Ok, je t'ai pas demandé de monter, mais c'est pas grave. On va passer cette porte. Qu'est-ce qui se passe ici? On se casse! On se casse! On se casse! Pas une bonne idée, pas une bonne idée ce que je viens de faire, Bob. Je vais mourir.
peut-être le temps d'aller récupérer les trucs qu'il y a à récupérer. Le feu, ça a l'air de marcher. Il est où l'oiseau ? Wesh ! Wesh ! Qu'est-ce que tu me fais ? Vas-y, repasse par là. Je l'ai eu. On a dit que le feu, ça marchait contre la grosse. Là, je suis un petit peu en mode stress. Un petit peu quand même. Parce que je l'ai eu, je suis content. J'aimerais bien un point de sauvegarde. Parce qu'on l'a eu, donc on va aller sauvegarder. Moi, je préfère, en espérant qu'elle apparaisse pas, je préférerais. Là, j'ai eu un peu, petit peu peur quand j'ai allumé les flammes et que je suis resté coincé. J'ai eu de la chance qu'elle se fasse cramer, sinon c'est moi qui mourrais bêtement. Ouais, j'ai oublié quelque chose, c'est-à-dire que je vais modifier quelques trucs là, parce que là, ça devient la merde. Sérieusement. Capacité du chargeur du pompe, on va l'augmenter. Y'a pas à chier. On a récupéré une clé aussi, on le sait ça. Donc du coup on va augmenter le... le fusil de gauche on peut pas augmenter. Il est puissant mais on peut pas l'augmenter. Bon allez, qu'est-ce qu'il propose ici? Sérieux? Bah c'est toujours... fait toujours plaisir. Je vais pas chier dessus comme on dit. Non, il y a rien à récupérer ici. On va sauvegarder. Parce qu'il faut qu'on retourne dans la pièce là-bas. Donc... fait des bruits bizarres elle. Sauvegarde. Je tiens pas à mourir bêtement dans des circonstances bizarroïdes. J'en avais oublié mon café. Ah, c'est dégueulasse, il est froid. Ah, tu vois, pris dans le truc. Bon, ce chapitre 5 commence à devenir long. Hein. Vous trouvez pas? Moi, je trouve. On est bien, on est au niveau du stuff là. On est plutôt pas à plaindre. Si, on a tout pris ici. Hein. On a tout pris. Alors c'est là qu'il se corse les choses. Je sais comment la tuer, je vais vous montrer comment on fait. Ok, ça va être rapide, je risque de me craquer, mais je vais vous montrer. Tout va bien se passer. En fait, il faut qu'on aille là. On va cramer lui. Donc là, en fait, elle va spawner au milieu. Il va falloir que je la fasse tomber dans le feu pour la tuer. La seule façon, c'est le feu. Ouais, c'est parti. Alors, si je m'avance. Genre, elle n'est pas encore arrivée.
Là, faut qu'elle me voie. Donc, j'active ça. Tombe dedans. Saute, 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 bon Dieu! Je me suis un petit peu fail. On ouvre, on se dépêche pour qu'elle crame. Voilà, il y a deux façons, hein. Il y a de ce côté et l'autre côté. Mais la façon la plus simple, c'est quand même de la tuer de ce côté-là. Tac, 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 on la recrame. Allez, c'est bon, on l'a eu les gars. Voilà, la meilleure technique pour la tuer. Bon, ça on récupère bien évidemment. Du coup, on va aussi... Allez, mais saute. Putain, on va lui faire prendre l'échelle puis sauter. On va récupérer ce qu'elle nous a looté, la connasse. 8000. 8000, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est la meilleure technique. Celle-ci, j'ai bien fait, tu vois, la faire hors caméra parce que j'en ai chié. J'ai utilisé les bidons, j'ai utilisé la torche. Le souci, c'est que dès qu'elle te met un coup, elle te tue. Donc ça, c'est pas top. Je te crame, toi, je te crame. On sait jamais si je te crame, il peut nous looter peut-être quelque chose. Il y avait une autre façon aussi de la shooter, c'était là-bas. Hop, je descends. C'était le même principe à ce niveau-là. STP dedans. On monte à l'échelle, on active le truc. D'ailleurs, il n'y a pas un truc à récupérer là-haut? On va faire le tour, hein, vu que maintenant c'est tranquille. Tiens, vous voyez, c'était ça le principe. C'est que je fais ça, et là... Bah là, ça active rien, mais normalement, ça active quelque chose. Un flambeau... Munition, on n'en a pas eu besoin, là. On récupère la petite flamme. On ouvre la porte. Là, je croyais qu'il y avait quelque chose. Bah, il y a du gel. On récupère le gel. On est bien au niveau du gel. Oui, je me répète, je radote. Rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et de comportement répétitif. Signe de synesthésie manifeste. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Et juste sous mon nez. Incroyable. Ça ne fait plus de doute. Il est bien compatible. Compatible de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, gros? Ok, point de contrôle, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gros cerveau, on dirait. Toute une éducation à refaire. Les objectifs, eux, pour les tuer, voilà, il faut leur arracher le truc de la tête. C'est pas, ils sont pas comme d'habitude. Parce que si tu leur arraches pas le câble, une sorte de cordon comme ça, là, bah ils viennent te casser des couilles encore. Tu peux pas leur exploser la tête. Ils sont reliés à la machine. Mais voilà, ils sont assez faciles, ceux-là, au pont. De petites images. Et ben voilà les enfants, c'est sur cette fin de chapitre que nous allons nous quitter. Je sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps non plus.
Et puis bah moi c'est sur ça que je vous laisse et je vous dis bah du coup à la prochaine pour le chapitre 6. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Allez, salut.